quotidien à deux mares sur les chapeaux de roue ce lundi 23 janvier 2023, dès 19h25 sur TMC. Après une séquence diffuse à elle, écran du président de la République, Emmanuel Macron, dans le 19h30 Média, Yann Barthès, est gentiment moque de son chroniqueur. Ce dernier est en effet trompe sur le nom du Parti Socialiste. Le talk show et notamment intéresse à la guerre par médias interpose entre les deux premiers secrétaires généraux autoproclames du PS, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol. A noter que ce type d'échange entre Yann Barthès et ses chroniqueurs ont lieu de manière récurrente dans Elle, émission. En fin d'émission, la chronique, le canapé, Étienne Carbonnier a été supprimé. Le chroniqueur a été vaincu par TMC. Dans les faits, quotidienne est achève à 21h05 contre 21h17 la semaine dernière. La chaîne tente ainsi de raccourcir sa diffusion. En guise de comparaison, Quotidien a été diffusé jusqu'à 21h25 il y a un an à date. Elle, avant Quotidien, rassemble 307 000 téléspectateurs entre 18h21 et 19h12, soit 2 heures publiques avant la première partie suivie par 880 000 adeptes du talk show entre 19h18 et 20h, soit 4,3 heures part de marche. Le programme est achève par la seconde partie propose entre 20h08 et 20h53 avec 1,26 million de francs, soit 5,5 U public. Sur une semaine, le programme progresse de 0,5 points pour le BIFO, mais enregistre un repli de 0,1 et 0,4 points pour les deux parties de L, émission. Quotidien est à retrouver du lundi au vendredi dès 19h25 sur TMC.